Et voilà, on est parti pour la seconde partie. Donc, les gars, Ouais, tout heureux. Ouais, roule toujours. bonjour les gens, bonjour. Donc, la vidéo est sortie plus tard, c'est normal parce que mettre deux vidéos en ligne en même temps, c'est très long, c'est très chiant, surtout quand l'une dure 1 heure et puis l'autre, on va voir combien de temps elle va durer. C'est ce que je t'ai dit l'autre jour, utilise un break, compresse tes vidéos avec un break, tu vas gagner un temps fou pour l'upload. Ben, ce que je vais faire, ouais, je pense que là, je vais être un peu Quand tu obligé de vois le que j'ai faire. des vidéos qui font 1 giga qui passent à 300 MO sans perte de qualité, je t'assure que ça te fait gagner un temps fou. Ben, j'installe juste après l'enregistrement, y a pas de problème. Donc, les gars, on en était sur une radio MH éventuelle. Ah oui. Radio MH. C'est vrai que ça pourrait être pas mal comme idée. Après, comme on disait sur la précédente vidéo, faut voir à ce que ce soit connu. Si c'est sûr que tu fais une vidéo mais que t'as pas de publicité ni quoi que ce soit, les gens viendront pas voir. Ouais, ça marchera pas. Voilà. Faut vraiment que tous on se mette en commun d'accord pour essayer de faire des partages. Et c'est un petit peu, on en revient à un débat de la précédente vidéo, sur la division de la communauté. C'est vrai que si chacun fait dans son coin sans s'occuper des autres, ça crée une sorte de division. Alors que si tous on crée, mais qu'on s'entraide avec les autres comptes, les autres créateurs, là ça crée une union. Et en Mais fait. alors, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que soit ça marche pas parce qu'on fait pas assez de pubs, parce qu'on peut prendre comme exemple les chasseurs du cœur, bon c'est des lives mais t'as quand même eu pas mal de pubs pour ça, soit on fait mal la pub, ou soit t'as peut-être pas assez de gens qui sont intéressés, C'est pour ou ça t'as qu'il. pas assez de gens tout court dans la communauté qui vraiment s'intéressent à la communauté, tu vois. Ça peut être ça aussi, effectivement. T'as des gens qui sont là pour le jeu, qui grattent un peu les. Qui vont sur Facebook ou n'importe quel autre support, qui viennent chercher une astuce, puis après qui rejouent dans leur coin qu'on n'a rien à foutre. Ça c'est sûr et certain. On en a énormément de casus sur la communauté. Et Clairement. je pense que le problème casu, on n'est pas prêt de. On est pas prêt de le régler. Bah, Bien au c'est que le début, contraire. enfin, c'est que le début, hein, vu à quel point déjà rien commence à être facile de faire un live sur un jeu aujourd'hui. Il y a 5 ans, c'était pas aussi simple, les gars. On a tendance à l'oublier, mais quand tu vois, quand la PS4 est sortie et même la Xbox One, quand ils sont sortis, qu'on disait, ouais, vous pouvez directement streamer sur YouTube vos jeux. Et là, on dit, what the fuck? C'est possible? Et je dis, bah putain, ouais. Oui, c'est possible, mais il y a quand même une contrainte. Faut avoir une bonne connexion. Et la carte Quelqu'un mère. qui a une connexion de campagne ou qui est en bout de ligne comme moi ne Mais pourra pas le faire directement. ouais, mais pour te dire, pendant plusieurs années, il fallait souvent qu'on craque nos consoles et qu'on installe un Ouais. logiciel pour enregistrer, en fait. Ou Ah, mais alors raconte en qu'on fait. paye 200 balles pour avoir le boîtier qui permet de filmer sa 3DS légalement. Alors ça, c'est Qu'on une l'envoie en Allemagne. chose que je voulais faire au début, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ouais, non, laisse tomber. Ah ouais, non mais grave, Ça vaut pas le coup. et puis après que et après que tu le revendes à des gens alors que ça marche plus, hashtag Non, ça, je ne comprends pas du tout, tu vois. Pour Ah, t'as pas parler, entendu c'est parler de cette histoire? Ah non. En fait, Skyel avait vendu une 3DS avec qui contient un boîtier dessus, et finalement ça marchait pas. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Il le savait que ça marchait pas en plus. Il l'a vendu à la personne. Et c'est à quelqu'un de connu ou un gars au pif qui l'a vendu? C'est un gars au pif qui l'a vendu. Pour ça, faut jamais faire confiance aux vidéastes ou tout le bordel, quoi. Même à nous quatre, quoi. Je vous déconseille. Faites pas confiance à ceux que vous connaissez pas, surtout. Ouais, voilà, tout simplement. Bon, enfin, des arnaques comme ça, c'est un foison, quoi, sur la toile. Ouais. Ouais, on peut en parler si c'est pas trop Alors, moi, niveau dégoûtant. arnaque, j'y connais absolument rien parce que j'achète pas trop sur le net, hein, surtout depuis que j'ai travaillé dans le tri de colis. Donc voilà, je Non, connais. mais les arnaques, en fait, c'est plus dans des youtubeurs connus ou des trucs comme ça après. C'est vrai que Alors. les petits en font pas énormément parce qu'ils ont plus intérêt à se faire connaître, donc En bien, hein. voilà, en bien.
ils ont pas l'intérêt d'arnaquer parce que trop non plus, parce que du coup s'ils le font ils vont avoir une image négative et ils y arriveront plus, à part si vraiment leur but c'est de faire du bad buzz. Mais savoir que justement quand tu as parlé dans la précédente vidéo de... Ah ça y est, j'ai oublié les... J'ai oublié le nom. Attends, tu parles à qui? Ah, comment ça s'appelle déjà les... Ah, network, voilà. Quand ah tu parlais oui, des networks, les networks peuvent protéger, mais les petits youtubeurs qui n'ont pas de network, eux, ils sont totalement livrés au crowd YouTube. Si tu signales la vidéo, c'est strike point, ils cherchent pas à comprendre. Ouais. Ah, c'est pas si simple. Ouais. Et je crois que c'est au bout de 3 strikes, chaîne supprimée avec toutes les vidéos. Et y'a même pas moyen de la récupérer. Pas moyen de récupérer, non. Oh, bah, c'est... Oh, ouais, non, bah, c'est Code for Land, tout a disparu, non. Après, ouais, tu peux effectivement, quand tu reçois un strike, tu peux contester. Le seul problème, c'est qu'il faut apporter des pièces judiciaires jusqu'à ta propre adresse personnelle. Ouais. Et à savoir, donc, si tu es traqué, t'es pas monétisé et tu gagnes pas d'argent, et c'est pour ça. Ton strike dure 6 mois. Un strike dure 6 mois exactement. Donc si tu te payes 2 strikes, c'est 1 an. Quand ils remettent la vidéo, le strike, on est d'accord, ils l'ont retiré, mais est-ce que... S'ils remettent la vidéo, oui. Un strike sur 3, genre... Non, s'ils t'enlèvent le strike, ils te retirent le strike. Ils t'enlèvent le strike aussi, ok. Oui, c'est... Après, tu peux effectivement, mais il faut faire attention non plus, parce qu'il peut y avoir des gens qui s'amusent à striker ta vidéo pour obtenir des informations personnelles de toi, quand tu parlais d'arnaque tout à l'heure. Il y a des gens que ça est déjà arrivé de le faire. Et ça peut... Ouais, ça peut ensuite engendrer du cyberharcèlement, etc., etc. Donc là, on revient. Eh, transition avec l'ancienne vidéo. Exactement. Tu vas avoir des liens dans la vidéo, genre, tiens, clique sur ce lien pour aller sur une vidéo, et tiens, clique sur celle-là pour aller sur une vidéo, tu sais, c'est un bordel sans nom. Ouais, bon, ça, je m'en fous, hein. Ils font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent, les fumeurs. Tu vas te retrouver sur une vidéo en Russie, tu vois, genre avec un vieux russe bourré en train de danser, il va pas comprendre. Oh merde, j'ai cliqué sur une vidéo de Monsieur Pyro, comment ça se fait que je me retrouve sur Jackie Michel. Ben, peut-être parce que je suis parti de l'industrie, qui sait. C'est faux, hein. Oh bordel. Ce serait marrant ce film. Non, c'est même pas Jackie Michel, c'est Jaggy Michel. Je remets l'image, attention. Une image offerte par Professeur Fein. Je profite pour le dire d'ailleurs. Ouais, je l'ai graffé pendant le débat justement. Ouais, bah ouais, non. Juste après qu'on ait fait la première blague. Putain, c'est parti de ma connerie quoi. Ouais. Ouais, non mais. Je m'en fous si ça c'est... Chose. Attends, si c'est pas des annales, je te jure, je pète un câble. Comme j'ai dit Michel, c'est toujours les annales, donc... Les annales d'internet, hein. Bref... Oula. Alors bref. On en était sur YouTube encore. Enfin, YouTube, radio, etc., etc. Ouais, du coup, moi, je peux rebondir. On parlait des gens qui devraient essayer de se faire bien voir, tu vois, quand t'as une petite communauté. Mais il y a aussi des gens qui font exprès de se faire plaindre, genre qui font preuve de mauvaise foi pour rameuter du monde, tu vois, mais sans que ce soit mauvais pour lui. Et ben justement, ça c'est le genre de truc que j'aurais tendance à éviter en fait. Quand tu te plains, généralement t'auras une réputation derrière qui sera liée au soit oh le pauvre petit malheureux machin truc, soit une réputation gros casse-couille de base. Ouais, voilà, de casse-couille, de râleur. Et puis ben, c'est justement ça que je voudrais éviter, rien que sur ce débat-là, enfin sur ce genre de débat, il peut y avoir l'un d'entre nous qui se met à râler. Déjà, soit je couperai la vidéo, mais comme couper une vidéo pour moi, c'est grave chiant, c'est grave long, et ben j'éviterai de dire quoi que ce soit là-dessus, c'est tout. Et puis après, ensuite, pour un autre youtubeur quelconque qui râlerait sur sa communauté, comme quoi elle est pas assez active, etc., etc., ben, il y
tire dessus en fait. Là, c'est pas trop. Mais c'est un petit peu l'inverse aussi. Si effectivement un youtubeur ne doit rien à sa communauté, c'est l'inverse. La communauté ne doit rien au youtubeur non plus. Les gens like, voilà, les gens like ou regardent s'ils en ont envie. Tu peux pas non plus mettre un couteau sur les gens, sous la gorge des gens et dire regarde ma vidéo sinon je te tue. C'est pour ça que moi, dans mon vidéo, à l'oral, je force jamais personne à mettre de like. Moi non plus, je force pas en fait d'essayer de faire un peu comme ça. Je te dis franchement, les gens qui disent mettez un pouce bleu, like, ils te font au moins une minute pour simplement t'expliquer comment liker une vidéo, ça me gonfle en général, je zappe direct. Ouais, ça se fait moins ça. À l'époque, ça se faisait beaucoup, mais ça se fait moins. Encore qu'ils le fassent un petit peu à la fin, 10 secondes à la fin, oui, mettez un pouce bleu s'il vous plaît, poliment, ok. Mais au début d'entrée de jeu, alors que tu sais même pas quel est le contenu, tout ça, ça a tendance, oui, à me gonfler moi. Exemple, moi, quand j'ai fait, j'ai juste une image à la fin, tu sais, avec le pouce bleu, quoi, c'est tout. Parce que voilà. J'ai la flemme de le dire à l'oral et je m'en fous, les gens ils font comme moi, ils en mettent un s'ils veulent. Ah, on sait comment fonctionne YouTube, donc de nous dire de mettre un pouce bleu ou pas, franchement, on sait comment faire. Et surtout de faire un tuto pour expliquer comment mettre un pouce bleu, attention. Après, il y a un autre truc sur YouTube. Attendez, je viens d'y penser juste un instant. Les placements de produits. Non. Moi, je suis pourri. Les placements de produits, je suis pas contre quand c'est bien amené. Ouais. Et ben, c'est un petit peu ce que je vais faire avec des tic-tac, comme vous pouvez le voir. Non, je rigole. L'entendre plutôt. Ah bah non, c'est vrai que tu filmes. Ouais, oui, je me filme avec une magnifique boîte de tic-tac. Achetez, s'il vous plaît. Oh, placement de produits vendu. Oh genre quand je dis bien amené, quand je dis bien amené, c'est par exemple t'avais un... Genre ça chez moi quoi. Genre t'avais un youtubeur, je sais plus si c'est Amixem ou quelqu'un d'autre, qui avait fait un placement de produit pour un produit, mais genre c'est... Genre il faisait des conneries avec, genre t'avais pas l'impression de regarder une pub quoi. Genre tu t'emmerdais pas à regarder une pub et l'entendre parler de son produit à la con quoi. Genre, voilà, effectivement, si c'est vraiment intégré à la vidéo, qu'il n'y a pas un truc seulement pour, ça peut être emmené, parce que je te jure déjà que les gens, la télé aujourd'hui, on se bouffe des pubs, c'est chiant, c'est relou, ça casse le rythme quand tu regardes un bon film. T'imagines même pas le nombre de pubs que tu regardes en une journée, hein, même sans voilà. Regarder la télé. Hein. Ouais. Bien sûr. Et c'est pareil, moi quand je sors sur internet, je mets que Adblock et enfin Ublock. Est-ce que ça me gonfle de voir des pubs tout le temps, partout, ça me saoule. Putain, les gars, vous regarderez la cam là. Ouais. Je viens de faire un petit placement de produit en muet, je vous le dis. Regardez-moi en attendant qu'ils parlent, on s'en prend de ce qu'ils disent. Vendu, boum. Ouais, achetez TikTok, les gars. Ce qui aurait été énorme, c'est que ce soit de la sous-marque, tu vois. Ah ouais, non, mais. Mais bon, M&M's de chez Lidl. C'est ça, c'est la version leader price des Kellogg's, tu vois. Tu vois, les boîtes de céréales avec ce dessin hyper moche, quoi. Oh putain. Oh. Non, c'est vrai que en fait, ça dépend plus de comment c'est emmené. Si c'est effectivement un truc qui casse le rythme et qui est chiant à regarder, non. Ça, c'est clairement non. Mais si c'est un truc, je sais pas, le youtubeur qui fait qui peut faire un podcast et qui mange un M&M's, voilà. C'est pas chiant et en même temps, il coupe pas le rythme vu qu'il parle à côté. Et il y a un youtubeur que j'ai vu il y a pas longtemps qui a fait justement plusieurs placements de produits sur... c'était un animateur, enfin un gars qui faisait de l'animation sur une tablette graphique. Et tu vois, le mec, il dessinait en même temps, genre il te montrait comment ça rendait. En fait, c'était de l'animation. Et il montrait la tablette en même temps, tu vois, genre c'était bien foutu. Il y a Calchbot qui a fait un truc comme ça justement, qui a présenté une tablette graphique, mais il l'a présenté avec ses propres dessins. Voilà, il y a Calchbot et un autre gars, je sais plus comment il s'appelle, c'est. Attends, je crois savoir qui c'est, attends. Son personnage, il a un t-shirt un peu bleu, tu vois, je crois qu'il est bleu son t-shirt. Hein. Attends, que je vais regarder dans mes abonnements. Je vais regarder dans mes abonnements parce que ça se trouve c'est le même que je pense. Et le gars il fait du jardinage aussi. Je sais pas si ça va t'aider. Oui, c'est exactement, c'est celui que je pense. Oui, c'est ça.
Attends, je vais continuer à parler, je vais défiler pour voir si je retrouve le nom de ce youtubeur. Ça, tu vois, c'est des pubs que je trouve bien amenées. Bon, des fois, je les passe parce que je m'en fous complètement, mais pour certaines personnes, tu vois, c'est bien amené, ça gêne pas, quoi. Ça bousille pas le rythme de la vidéo. Finesse, tout à l'heure, on parlait de Cash But, là, j'ai l'autographe juste à côté, sauf qu'il y a mon prénom dessus, donc j'ai évité de le montrer. Oh, bordel. Ah, Cash But. Lui, je l'avais rencontré à la Clermont Geek, j'ai eu son autographe directement aussi. Moi, je l'ai... Et j'avais été avec mon cosplay, il m'avait fait la blague, oui, faut penser aux petits enfants qui crèvent de faim dans le monde. Attends, c'était quoi ton cosplay? J'ai vu ça, j'étais mort de rire. Attends, c'était pas Je suis monté le cosplay? Si, c'est ça, Je suis monté. Oh, bah, j'ai retrouvé l'image, mais là, avec un vrai... Voilà, je l'avais fait avec un vrai pain, un vrai bout de bois, tout ça, quoi. Genre, j'ai vu ça, j'étais mort. Le pire, c'est que je l'ai refait à la Japan Expo, sauf que il s'est cassé, ce con de pain. Oh, j'étais dégoûté. Mais je trouvais ça bizarre d'ailleurs que personne ne l'avait encore fait celle-là, tu vois. J'ai vu ça, je me suis dit, quelqu'un a enfin porté ses couilles et l'a fait. Et quand j'ai vu que c'était toi, j'étais mort de rire. Et puis, j'ai même, tu sais que je l'ai même présenté devant le producteur, Chintaro, producteur des machins. J'ai vu, t'avais pas joué avec lui, justement, t'étais en cosplay. Si, c'est ça. Et il a bien aimé le cosplay, à la fin, il a même fait un petit autographe avec la tête de Je suis monté dessus. Pas mal. Je pense qu'il y a un truc que je vais faire, je pense que je vais attaquer à Radio Image, vous m'avez donné une bonne idée les gars. Mais en soi, c'est ce que tu fais, c'est surtout un micro-libre. Oui, micro-libre, ouais. Voilà. Ouais. Mais justement, ça pourrait peut-être mieux sur un format stream, pour même tes monstres au débat, qu'un truc YouTube. Après, tu peux re-upload sur YouTube, mais je pense que ça pourrait être un petit peu mieux par rapport au format. Moi j'aime bien les formats comme ça. Moi j'aime bien YouTube aussi, en fait. J'aimerais pas me lancer sur d'autres plateformes. Ouais. Après, faut se dire aussi un truc, si tu fais ça en live, c'est automatiquement enregistré sur ta chaîne YouTube, quoi. Ouais. C'est enregistré automatique, quoi. Live YouTube, oui, mais pas live Twitch. Si, live Twitch, maintenant ils le font. Bah, live Twitch automatiquement enregistré en rediff quand t'as fini. Ah, attends, je crois avoir trouvé, je crois que c'est l'actu animé de David Lafarge. C'est ça, bingo. J'ai trouvé. David Lafarge. Ah oui, quand il fait la Mastercard ou un truc dans le genre, non? C'est ça. David Lafarge, il peut pas faire des trucs bien, c'est dans sa définition. Voilà, c'est ça, c'est l'actu animé de David Lafarge. Non, on ne déconne pas. Si, je t'assure, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand il faisait la pub de la tablette graphique qu'il avait décidé lui-même, c'est ça. L'actu animé, David Lafarge. D'accord, ça veut dire qu'il fait des trucs bien, David Lafarge. En fait, il parodie un peu, tu vois. Putain, je m'avire. C'est le genre de mec qui fait de la parodie. Moi, j'adore. Et même, genre, tu sais, il avait fait une vidéo spécialement sur les légumes. Et tu vois, tu te dis, c'est nul à chier, c'est des légumes quoi, tu t'en fous, quand tu vas sur YouTube, tu vas pas regarder des tutos de légumes. Bon, après, il y en a qui le font peut-être, mais tu vois, genre, la majorité, quand tu vas sur YouTube, c'est pas pour faire ça. Et il a réussi à me donner, l'envie de cultiver des tomates et plein de trucs dans le genre. Et genre, j'avais pas envie de quitter sa vidéo, tu vois, genre, c'était super intéressant. C'est super aussi instructif, t'as des bons trucs à savoir dans sa vidéo. Il y a des bons trucs à connaître. Et ça, tu vois, c'est un gars qui mérite un peu plus de. D'être un peu plus vu, tu vois, sur David YouTube. David Lafarge. Oui. J'arrive pas à y croire. David Lafarge, faire du truc bien. Non, vous allez. Non. Je t'assure, sur l'actu animé, c'est pas mal. Ouais. D'accord, très bien. C'est vraiment bien. Bah, j'ai vraiment enseigné aussi, je connaissais pas jusqu'à maintenant. Mais ouais, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Daffy de Lafarge, pour moi, c'est. Ces vidéos Pokémon m'ont juste dégoûté. Non, mais ça a rien à voir avec. Je te dis, c'est juste parce que. Non. Tu vois, c'est un cache-but, mais moins trash, hein, si tu veux. D'accord, mais c'est lui qui fait les vidéos ou pas? Si tu regardes le Rire Jaune, il avait fait une vidéo en collaboration avec eux sur les fables de La Fontaine. D'accord. Attends, je te passe le lien de la chaîne directement, comme ça au moins tu peux regarder. Hein. Ok, j'irai voir ça.
Hop. Putain, ça... Voilà, et je te le passe en commentaire sur le truc monstre au débat. Voilà. Attends, ok, j'irai voir ça. L'actu animé. Ouais, ben oui, forcément. Donc, bref, on continue de parler un petit peu. Je sais pas. Comme tu le sens. Déjà, T-Rex noir, je te conseille de y aller parce que sinon, on va encore y rester les plombes. Tu pourras pas boire la chope d'anniversaire, c'est dommage. Ah bah oui, non mais attendez, les gars, faut chanter bon anniversaire. Les gars, je connais bien mon bar, ils font des affaires privées. Après une heure, ils font des affaires privées souvent. Les gars, faut fêter l'anniversaire de T-Rex noir, attention. Allez. Non mais chante. Attention. Et il faut la mettre avec une musique de T-Rex à la fin. Mais un petit bleu, bon anniversaire à T-Rex noir, mais un petit bleu. Ah tiens, oui, tiens. Attends, tu me donnes une idée là. Je vais aller chercher un remix metal du cover du T-Rex. Ça existe pas. Passez une Falcon, s'il te plaît, passez. Mais merde. Ah, t'es sûr que ça existe pas? La musique du T-Rex, elle est pas suffisamment forte pour faire un cover metal. Ben si. Elle est trop ambiance quoi comme musique. Ben après, y a plein de cover metal. Tu peux remanier un peu à ta sauce. D'accord. Bah ben voilà, attends, est-ce que tu veux qu'on continue un peu, genre on en est à combien de minutes là? Là on en est à 20 minutes pour la seconde partie parce que la première on en est à plus d'une heure quand même. Bah 20 minutes, bah on peut continuer encore 10 minutes et du coup je peux dire que rebondissant sur les vidéos YouTube Monster Hunter, je peux dire qu'il n'y a pas que du let's play. Tu sais quoi, je viens d'en trouver une géniale justement. Ah cover ouais. T-Rex noir en métal. Eh ben putain. Eh ben je trouve, je mettrai ça voilà. Dans la vidéo. Metal cover, c'est bon, je l'ai mis. Hein, voilà. Attends, tu pourras l'écouter. Parfait. C'est elle, d'accord. Ah ouais, très bien, ouais. J'irai l'écouter en allant au bar. Ouais. Ouais. Il est très bien. Ouais. Genre voilà, sur YouTube, sur mon center, y a pas que du respect, t'as aussi de la musique, t'as des théories. Alors, RP, là, moi, il y en a deux qui me suivent beaucoup sur ce que je fais sur YouTube qui sont excellents, c'est Dragon Wings et Kyojun qui ont repris le flambeau de ce que je faisais au tout début sur ma chaîne YouTube qui est la fiction Monster Hunter. Et Kyojin, je peux dire, il fait du punaise de contenu. Là, j'adore. Il est super Kyojin, mais même Dragon Wings, hein, il s'est vachement progressé dans ce qu'il faisait. Et c'est super quoi, c'est juste de la fiction Monster Hunter. Et tu sais quoi, ça peut aussi s'écouter en radio parce que c'est des gens qui racontent des histoires sur Monster Hunter. Mais c'est comme au niveau de la vidéo, bah, c'est du diaporama, bah, ça s'écoute aussi en fait. T'as dit qu'il s'appelle comment le premier? Kyojin, je connais, mais l'autre je crois pas. Alors Kyojin et l'autre, alors il a changé de nom, c'est Dragon Wings, donc L de dragon en anglais. Donc du coup, lien en description si vous voulez. Ok. Kyojin et puis Wingdog. Enfin Dragon. Dragon Wing. Pourquoi prononcer un pseudo quoi? Dans son pseudo, je sais même plus ce que c'était, tu vois. Parce qu'il a changé il y a un moment déjà, donc. Bah, je connais peut-être, mais. 23 minutes de vidéo, on a encore environ 7 minutes. Vite, faut trouver un truc. Vite, Non, est-ce que vous voulez conclure sur un truc? Comme ça, on a du temps pour faire la conclusion. Moi, je veux conclure sur le fait que ne restez pas dans l'idée que la communauté est divisée, parce que des communautés divisées, ça n'existe pas. Moi, c'est ce que je crois. Hashtag, c'était mieux avant. En fait, oui, parce que tout était mieux avant. À partir du moment où je crois que c'est Socrate qui disait lui-même que la jeunesse partait en couille à son époque. Voilà, quoi. Donc, non, franchement, les gens, Monster Hunter, il y a plein de gens qui font des trucs cool. Allez voir partout, vous allez voir, même sur DeviantArt. Il y a des trucs de fou quoi. D'ailleurs, ouais. Ça, je vais me remettre au dessin sur DeviantArt parce que j'avais déjà fait des dessins Monster Hunter sur mon DeviantArt et je vais en refaire. J'aime beaucoup tes monstres et les bateaux que tu fais. Les quoi? Et les bateaux. Ah, le Dirmiralis qui attaque un navire. Ah oui, ouais. C'est très beau. Ouais. J'adorais. Oh punaise. Tu es. Et franchement, tu mets une belle image à ce que tu viens de dire. Une communauté divisée, ça existe pas. C'est comme si tu disais que c'était mieux avant. C'est un peu comme un néo-nazi qui dit le nazisme, c'était mieux avant. Les gars, on avait dit pas. J'avais dit quoi dans les règles? J'avais dit quoi dans les règles? Ils nous enfumaient pour autant les politiques avant. Oups. Les gars, j'avais dit quoi dans les règles du monstre débat? Ah oui, c'est vrai. Ah, ça va, ça fait bah ouais.
Mais bon, on va quand même garder parce que là c'était gentil, d'accord? Mais normalement, je ne veux pas de référence à ça, d'accord? Parce que c'est la fin. De toute façon, les connards qui aiment pas l'humour noir, ils restent jamais jusqu'au bout. Ouais. Non, je dis ça pour rigoler, on dit tout ça pour rigoler. Bah oui, c'est pas drôle. Ouais. Donc voilà, ensuite, Zamkouri. Ouais. Est-ce que t'as un truc à dire sur YouTube, la communauté? Une dernière chose, une conclusion. Une conclusion? Manger 5 fruits et légumes par jour, je sais pas. Non, j'ai pas vraiment de conclusion. Ah bon, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Le seul truc que je peux dire pour les gens qui se lancent, c'est n'hésitez sur YouTube, n'hésitez pas à venir en parler à d'autres petits vidéastes. Quoi. On pourra vous aider, on vous donnera des conseils. Bon, même si on n'est pas les mieux placés pour donner des conseils, genre on n'a pas beaucoup d'abonnés et tout, mais c'est pas le nombre d'abonnés qui fait le petit vidéaste. Genre on peut vous aider. Quand tu connais qu'il y a des vidéastes effectivement qui ont pas beaucoup d'abonnés, qui font du meilleur contenu que d'autres qui ont des millions ou des milliards d'abonnés, oui, ça se comprend bien aussi. On peut vous aider dans vos débuts, quoi. Faut vraiment pas hésiter. Genre même si vous hésitez et que vous voulez des conseils, quoi. On mange pas, on n'est pas des monstres. Hein. Profitez-en, on n'a pas une grosse commu, donc on peut vous répondre. Et puis dans ce temps-là, c'est une commu qui commence sérieusement à grossir en aussi. Ouais. Parce que World, c'était le premier truc qui a fait du bas impact, dans le sens où, à l'exception de 4U, c'est là où tu as commencé à avoir des gros youtubeurs français qui ont fait des SP là-dessus à sa sortie. Benzaï qui fait un SP sur Monster Hunter World. Mais what the fuck, quoi. Très bon, j'étais mort de rire. Je n'en revenais pas. Moi, j'étais encore en train d'attendre ça se fait sur Oblivion, qui est l'un des meilleurs SP que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. Son SP sur Oblivion était énorme, et là, non, il dit non, il y a Monster Hunter World. Sérieux? Avec Mamie Nova. Ah ouais, c'était 25 minutes. Alors j'ai pas tout regardé ce qu'il a fait, mais il avait l'air de se faire plaisir. Et quand tu vois des youtubeurs des gros youtubeurs qui disent ouais, Monster Hunter World c'est cool. Ah, surtout pour un valeur comme lui, ça fait plaisir de le voir s'amuser sur un jeu, quoi. Ouais. Après, surtout celui qui est difficile comme mec, hein, Banzai, il est ultra difficile. Donc non, faut pas lâcher Monster Hunter. Ça commence seulement à bien être comme il faut. Mais par contre, alors moi je peux prendre la suite si j'ai un message à faire passer. Vas-y, en conclusion. Ben, n'hésitez pas à vous lancer en fait. Il y a tout à refaire dans Monster Hunter. Déjà que le jeu est assez timide à nous présenter son lore. Qu'il nous présente, ce sera encore mieux, tu vois. De fiction, plus de créativité. On a besoin de ça, quoi. Bien dit, en fait c'est plus à la communauté de faire bouger, parce que les développeurs ne peuvent pas faire bouger techniquement. Ouais, ils peuvent pas tout faire. Ils peuvent pas tout faire, mais ouais. Puis même quand tu et puis même les développeurs font déjà un excellent taf, quoi, c'est pas leur boulot, quoi. D'ailleurs je voulais dire un truc aussi là-dessus, parce que ça a été annulé récemment, et d'ailleurs j'aimerais remercier personnellement PF de ça. Il y a quelqu'un qui t'a contacté il y a quelques mois, PF, pour écrire un bouquin sur Monster Hunter. Oui. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles de ça. Ben justement, je te les donne. Alors, elles sont pas spécialement bonnes. Dans le sens où. Ah merde. Alors, je vais vous dire cash, parce que ça a été pas confirmé. Ça s'est pas conclu. Mais cette personne et moi, on était en très bon terme. J'ai fait le plan qui a beaucoup plu à l'éditeur. J'ai écrit le prologue du bouquin et le premier chapitre sur le tout premier Monster Hunter. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de documentation pour écrire tout ça. Rien que le début, ça faisait 5-6 pages, rien qu'en format A4, hein, donc pas du tout mise en page avec la petite police 11. Donc rien que le tout début du bouquin, c'était déjà bien bien beaucoup ce que j'avais commencé à faire. Le problème, et là il m'a envoyé le mail la semaine dernière, c'est que le succès de Monster Hunter est encore trop faible en France, enfin en Occident, enfin dans les pays francophones, il n'est pas encore si fou que ça. Et j'ai peur qu'ils se disent aussi, putain, mais ouais, mais la communauté, elle est peut-être pas si folle que ça, donc on va peut-être pas faire les chiffres qu'il faut. Alors, pour l'instant, c'est pas confirmé. En tout cas, les chapitres ont été envoyés, c'est fait, mais le plan est fini. Ça va peut-être pas se faire pour l'année prochaine, parce que c'était parti pour que le livre se fasse en mars. C'était mars 2019, hein, parce que c'est ça là qu'on va fêter les 15 ans. Mais
Wait and see. Rien que pour ça, j'espère qu'elle va grandir, la communauté. Bon, on verra, mais c'est vrai que c'est dommage si Sleeves n'aboutissait pas. Hein. Pour l'instant, ça s'aboutit pas parce qu'il m'a dit ils ont peur que ça se fasse pas trop de ventes vu la communauté pas si grosse que ça. Mmh. Ah, t'inquiète, moi je te fais de la pub, je te fais tout. Hein. Je vais même faire des scènes, je fais de la pub. Au niveau. J'ai la pub en fait, d'ailleurs. Oui, je sais, je sais. Mais, après, peut-être que. Peut-être qu'il faudrait qu'il demande un peu à Capcom de se bouger pour faire de la pour faire un peu de pub aussi derrière. C'est ça que je me demande, parce que je trouve ça assez bizarre que bah, les gars, déjà, ils ont les droits pour faire un bouquin sur Monster Hunter. En plus, je leur ai demandé, est-ce que, au niveau illustratif, vous avez besoin d'aide ou pas? Parce que moi, je peux vous dessiner et tout, regarder mes CV et tout. On me dit, ouais, c'est cool, mais au niveau des droits, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Ah, donc ils sont quand même très limités en termes de droits. Par contre, juste un truc... C'est vrai que, bah, pas que Capcom, mais même toutes les autres équipes de développement, tu vois, les autres sociétés de jeux vidéo, elles peuvent pousser pour faire des bouquins sur des licences de jeux vidéo parce que ça leur fait de la putain de pub en soi. Mmh. Oui. Ça existe déjà pour certaines. Genre, t'as les The Witcher ou t'as plein de... Voilà, The Witcher, effectivement, il y a pas mal. Mais après, ça dépend effectivement la mentalité des équipes de développement. Vous avez effectivement Capcom qui sont très 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 restreints à ce qu'on touche à leur jeu. Par rapport à d'autres communautés comme Bethesda ou Red Project qui eux diffusent tout pour que les joueurs puissent toucher, puissent faire tout ce qu'ils veulent dessus. Mais après ça donc peut ça dépend. Un coup, hein. C'est une entreprise, hein. Faut se mettre à leur place aussi. Oui voilà, ils ont un peu... Ils auront effectivement de la pub, de tout ça, ils ont du chiffre à faire dessus. Mais justement, rien de tel, une bonne publicité ou des bonnes initiatives communautaires pour pouvoir se faire de la pub gratuite et monstre. À la base, c'est les gens qui achètent, qui font le bouche à l'oreille, qui font la pub, qui font le plus gros de tout ça. Ouais, mais après, on parle d'un livre et tout le monde n'achète pas forcément des livres sur un jeu. Enfin, oui, c'est sûr. C'est pas un beaucoup en soi, hein, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de bouquins sur des jeux, mais franchement, est-ce que ça sent beaucoup? Après, c'est pas marché. Ça dépend, moi il me faut un bouquin sur Call of Duty ou sur Fortnite, j'achèterai pas, ça c'est clair. Oui, bah oui. En fait, si tu veux prendre un bouquin sur un jeu, c'est souvent un jeu auquel tu joues, et puis ben, oui. Si le jeu il a bien marché, t'auras forcément un bouquin dessus. Tu prends The Witcher, il y a un bouquin dessus. Tu prends Skyrim, il y a un bouquin dessus. Alors attends, dessus. The Witcher... C'est encore trop récent, là, Monster Hunter. The Witcher, ça a quand même... Il peut faire super bien, justement, parce qu'il a fait pas mal polémique au niveau de l'auteur du bouquin. Mm. Faut pas confondre les romans qui ont inspiré les jeux et éventuellement d'autres bouquins qui sont sortis autour. Parce que là, justement, il y a cette confusion du genre, il y a plein de gens qui partent du principe que c'est les romans qui sont inspirés des jeux vidéo. Et non, les gars. Ah non, non. Les romans, c'était des années 90. Hein. Moi, je les ai lus avant de The Witcher. Hein. Avant de jouer aux jeux vidéo. Oui, là, c'est sûr, The Witcher, effectivement, les romans sont sortis bien, bien avant. C'est le jeu qui s'est inspiré des romans, là. Ah ouais, pour le cas The Witcher. Truc, mais après, il y a d'autres trucs autour. Il n'y a pas que les romans officiels, il y a d'autres trucs autour. Je veux savoir un truc, et sa réaction, elle est assez révélatrice d'une chose, Amcori, c'est que l'écrivain. Qui a créé The Witcher dans les années 90, parce que de base c'était des fictions dans un magazine de fantasy, et ben lui il est dégoûté des jeux vidéo The Witcher, il aime pas, les mêmes The Witcher 3 il aime pas, parce qu'aujourd'hui le résultat que ça pose, c'est que plein de gens partent du principe, voire la majorité des gens partent du principe que The Witcher c'est d'abord le jeu vidéo et après les romans, donc que le travail de l'écrivain c'est de la fanfiction. Ouais, je vois. Quand tu lis des romans, mec, mais putain, et le mec, c'est pas pour rien qu'il a fait un succès de malade en Pologne et qu'il a traduit dans le monde entier. Mm. Je te jure, à lire The Witcher, rien que le tome 7, j'ai failli chialer à la fin tellement que c'est énorme. Le dernier tome de The Witcher, en roman, il est hallucinant. Après, voilà. les gars, stop. Là, on est beaucoup trop hors sujet et en plus, la vidéo devait durer. Depuis tout à l'heure, je voulais dire qu'on pourrait en parler une prochaine fois. Si jamais vous avez de nouvelles. Ouais, je vous réinviterai. On en reparlera une prochaine fois. Déjà, je ne sais même pas s'il y aura un épisode 5 parce que l'idée de Radio MH, elle m'a complètement ouvert à l'esprit là pour le coup.
faut dire ce qu'il y a. Ouais. Bah écoute. Ouais. Et puis ben là je suis au train de mettre un magnifique chapeau sur la tête alors que j'ai un casque. Et puis ben, donc du coup ça veut dire que c'est la fin et que on va se quitter, c'est tout. D'accord. Eh ben très bien. Voilà. Bah, bonne soirée à tous et merci d'avoir regardé. Ouais. Donc merci bien. Donc les sites des personnes qui étaient avec moi en description, le pouce bleu qui est recommandé, vous faites comme vous voulez. On vous aime bien évidemment. Oui, on vous aime, oui. Non, je vous aime pas moi. Ouais ben toi tu dégages du coup. Toi tu le dégages. Avec oui, la bataille Gricat là. Donc Ah non, c'est pas un chat qui a dit ça. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez le pouce bleu, donc ça on l'a déjà dit. J'ai dit quoi? C'est quand tu fais le virement? Laissez un commentaire. Ah merde, t'as pas coupé? Non, pas encore, pas encore. Mais mes vidéos ne sont pas monétisées, c'est un courrier. Donc. Ah merde. Ouais. Et puis, enfin, partagez la vidéo si elle vous a plu. Donc, les personnes qui étaient avec moi, merci d'être venues. Déjà, on y a pas de quoi, c'était cool. Rien. C'est super cool. J'espère qu'on se refera ça une prochaine fois, j'ai passé un très bon moment. De même. J'espère pour les viewers aussi, et puis ben on se dit à la prochaine, allez, zou. Allez, salut. Ciao.